Petit garçon, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vivait heureux. Il regardait la vie, il l'observait, toutes les belles choses qu'il voyait. Il était sourd. Il ne se prenait jamais la tête. Apprécier les choses. Il avait l'âme d'un enfant parfait, tellement gentil, adorable, un sourire époustouflant. C'est ce petit garçon. Il s'asseyait dans l'herbe, puis regardait s'il y avait autour de lui, sans rien entendre. Il observait, voyait les choses que aucun enfant voyait. Puis un jour, on lui dit à sa maman, votre enfant n'entend pas, il est sourd. Sa maman fond en larmes. Elle n'y croit pas. Elle fit des tests. Et ce fut vrai. Ce petit garçon n'entendait pas. Alors il fit opérer. On lui posait des appareils auditifs dans ses oreilles. Et il entendit pour la première fois. Et le plus beau son qu'il entendit pour la première fois de sa vie, c'était le chant des oiseaux. Il dit, oh, ça fait ce bruit-là, les oiseaux. Sa maman et son papa fondirent en larmes. C'est le début de l'histoire de ce petit garçon. C'était le début des injures. Le début des insultes. Le début des dénigrements. Qui a envie de jouer avec un handicapé? Qui a envie de jouer avec quelqu'un qui fait répéter 20 000 fois, comme un perroquet qu'il disait. Il n'a rien demandé de tout ça. Le petit garçon. Il ne demandait que de l'amour. Que des amis. Mais personne ne croyait en lui. Il ne voyait juste un robot. Dumbo, un éléphant.
Je voyais rentrer dans la salle de bain pour aller prendre son bain. Il avait 8 ans. Il remplit l'eau, un ras-bord. Il commençait à penser à la vie, commençait à penser à ce qu'il voyait avant. Il ne voulait plus entendre. Alors il mit fin à ses jours. Il plongeait dans l'eau, avala l'eau, encore, encore, et encore. Rien ne faisait. Il se leva. Ce n'était pas son jour. Il descenda. Sa maman avec le sourire. Il continua sa vie. Encore et encore. On lui dit qu'il ne servait à rien de cette vie. Qu'il ne réussira jamais. Qu'il est un enfant con. Mais ce petit garçon était bien plus intelligent. Il avait une source d'imagination énorme. Il écrivait ses films à 9 ans. Il croyait en lui. Il voulait devenir réalisateur. Et vu qu'on lui disait qu'il ne savait rien, il voulait se pendre à l'âge de 14 ans. C'était son souhait. Mais son ange gardien lui disait non. Alors il détacha la corde et continua sa vie. Il accomplissa son rêve. Mais il voulait absolument sauver les gens. Il voulait absolument changer le monde. Il a accompli son rêve. Il a fait ce qu'il voulait. Il est devenu réalisateur. Ce petit garçon n'en pouvait plus. Puisqu'il a subi le menace de jeter de la fenêtre de sa chambre. Il se pencha. Il monta sur la fenêtre. Mais il n'a pas osé le faire. Et si vous savez pourquoi il n'a pas osé le faire, c'est parce qu'il croit en lui. Puis il continua sa vie, encore et encore. Les gens le dénigraient. Encore et encore. Personne ne croyait en lui. Même s'il avait des amis qui étaient toujours derrière lui. Pour lui, sa vie était plus que ça. Pour lui, son handicap. Pour lui, sa dépression. C'était bien plus fort. Alors un jour, il conduit sa voiture. Il voulut le premier arbre. Il voulut se cracher dans cet arbre pour finir avec cette vie. Aujourd'hui, ce petit garçon se porte bien. Il a vaincu tout ça, ce petit garçon. Ce petit garçon est fort. Il l'a fait. Il s'en est sorti après 20 ans. Après 20 ans, il en est toujours là. Mais ce petit garçon, c'est moi. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Sache que ce petit garçon t'accueillera les bras ouverts pour pouvoir t'aider. C'est la seule chose qu'il veut. La seule chose, c'est de pouvoir t'aider. Je ne supporterai pas de te voir souffrir. Je ne supporterai pas de savoir que tu n'as pas d'amour pour toi.
petit garçon veut juste ouvrir ses bras, pouvoir t'accueillir et pouvoir te montrer que la vie en vaut la peine. Sois ce petit garçon, sois fort, bats-toi pour ta vie. Et vois l'importance des gens que tu as autour de toi, et pas ceux-là qui te dénigrent. Sois fier de ta vie. Nous sommes une armée de dépressifs et de suicidaires. T'accueillir les bras ouverts. Pouvoir t'accueillir dans mon monde. Garçon, t'aime. Nous sommes forts. Nous en valons la peine de vivre. Nous avons beaucoup de choses à apporter. Nous sommes là pour changer le monde. Nous sommes là pour apporter de l'amour. Alors maintenant, je veux que tu te lèves. Et que tu cries de toutes tes forces en disant je vais le faire. Et si tu as du mal, ce petit garçon sera là pour toi. Il sera fier de t'aider. Et de voir son frère ou sa sœur pouvoir réussir sa vie comme ce petit garçon l'a réussi. Ce petit garçon a grandi. Petit garçon va bien. Petit garçon a le cœur rempli d'amour. Petit garçon a le cœur rempli de haine. Petit garçon t'aime. Je t'aime. C'est l'histoire d'un petit garçon. Petit garçon. Petit garçon. Petit garçon. Je t'aime. Petit garçon.